Amen. Nous allons passer au témoignage. Rapidement, témoignage. Testimony quickly. C'est Dieu seul. Je le remercie de m'avoir m'approché à côté de mon papa. Vraiment, j'étais dans la boue. Dans la boue. Par la grâce de Dieu. Jésus m'a délivré. Amen. Je suis délivré. Amen. Dans le nom de Jésus. Et quand Jésus va, mais quand il coule, il est clair, comme le diable t'a plaqué. Maintenant, tu deviens bonne. Voici le combat que nous menons. Oui, parce que tant que tu vois cet esprit-là, toi et nous, on n'est pas camarades. Oui, il faut qu'on lutte pour qu'on t'annette cet esprit. Maintenant, elle est devenue normale. Elle est être humain. Ce qui tant elle faisait amen, peur. Amen, amen. C'est ça? Amen, papa. Et je prie Dieu aussi pour que vous êtes, vous donne longue vie. Amen. Longue vie. Naïlio, Naïlio. Naïlio, c'est vrai qu'elle a fait des aveux publics devant tout le monde. Elle a fait, c'est ce qu'elle avait fait, ce qu'elle était dans le passé. Moi, je vois maintenant comme ça, comme un passé. Elle a avoué ses crimes. Elle a avoué tout ce qu'elle avait fait. Et Dieu l'a pardonné. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu jette ça dans la main d'oubli, s'en souvient plus. Voilà, donc aujourd'hui, elle est une nouvelle créature devant Dieu. J'amène ses enfants à l'accepter. I want our children to accept her. Et à l'aider. For help also. Elle a besoin d'aide. She needs of her. Vous devez aider maintenant votre maman. You need to help her. Je me battrai pour ça. I will fight for that. Je dois savoir maintenant ce que comment tu vis. Va dessus. Parce que c'est très important. How you live. Tu tout son contact. Take all her contacts. Tous les lundis. Every. Et samedi. Monday and je vais donner l'information si elle. I will give information. Comment elle vit. How she lives. Tout ça. Tu es à Abidjan? Oui, papa. Tu es dans quelle commune? Abidjan. Je vais passer te rendre visite. I will pass over to pay you a visit. Ça va chez toi maintenant? Oui, papa, ça va. Tu dors bien? Everything well. You sleep well. Ça va? Oui, papa. Everything is well. Tiens, 20 000 francs, c'est pour toi. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Nous ne jouons pas avec la sorcellerie. We are not playing with witchcraft. C'est des gens très chauds.
There are people that will be ashamed. She would not want to speak, I said, let us go. Let us go. Because if you don't want, we leave you go. That's our ministry. You can leave you go. On dit que la Bible dit que celui qui pêche pêche davantage. I will say whoever sins sins advantage. Que celui qui se répand se répand. Mais que celui qui pêche pêche davantage. C'est biblique. If you want to continue to sin sin. Et puis la destinée n'est pas partie et nous l'avons aidé. Donc j'en profite pour dire. So we help her. So we help her. Vous dites si vous donnez son aïe à Bagati. Pardonnez. Right now, we're mais c'est un signe, hein. Le prophète a donné son aïe, donc c'est vous dire si vous donnez à pas gâter. On peut, si il donne à pas gâter, elle est première dans son canari là-bas. Elle est délivrée. Because she's delivered. Maintenant, la suite, c'est ça qui est plus important. What is important? Ils vont l'accepter dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. Et puis l'aider dans sa nouvelle vie chrétienne. C'est ce qu'il a fait. Je vais m'amuser à ça. Je vais l'aider. D'ailleurs, même la semaine, là, j'ai pris son sac de riz, maintenant, ma voiture, elle est donnée. Voilà, c'est important. Il faut développer le royaume de Satan. Il faut les envoyer dans le royaume de Dieu. Grab people from the kingdom of Satan and bring them to the kingdom of Dieu. Because she's now the child of God. Le témoignage. Le testimony. On va continuer sur les théories des soeurs. Alléluia. Amen. Je dis à remercier Dieu et son serviteur, le prophète Joël Krasso ici, dites-vous. Elle dit, elle est sorcière. Elle était. Elle, ouais. Elle était elle sorcière. Sorcière okay. Elle était sorcière. Et tous ses enfants sont en train de progresser. D'autres allant en Europe. Vraiment ça. Il est très très mal. C'est sorcellerie là, a gâté tout. A gâté tout. Donc aujourd'hui, elle a reconnu Dieu comme sauveur. Elle est délivrée aujourd'hui. Elle nous remercie le Seigneur. Et elle touffe là. Elle touffe là. Elle n'est plus. Elle a cassé l'avion. Elle a cassé l'avion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Façon tu as commencé Jésus là. Faut plus faire ma charrie. Hein. La Bible dit que celui qui met sa main à la charrie et qui rien n'a rien n'est pas digne du royaume des cieux. Naïlio, naïlio. Et quand Jésus là. De toute façon, elle a commencé là. Elle a pas continué. Le jour, elle dit bon, 15 minutes par aller à Paris. Il faut dire, elle t'offre avec crash. Ça va s'éclater. Voilà. Si elle va là-bas, là, si on prépare, Chougouya, bon, il y a graisse là-dessus. On a qu'à dire non. Manger d'en haut, elle n'est plus dedans. Donc, faut tout d'ici là. C'est ce qu'elle va manger. Il faut lui dire ça. Et là, non, tu décides là, Yiko. Yiko, on va payer. Ah, de des Sinon, il y a le vignon, tiens, les gens qui disent vous le ben oui, maintenant. Non, mais bien, bon, frère. Ok. Le chef. Merci. Si on te laisse, c'est pas bon. Jésus! You still possess yet. We cannot just leave you right now. The spirit is still touching you, still inside you. The spirit is taking. Encore
partis. C'est un ordre. Tu m'attends? Tu quittes son corps. Maintenant même. Je le libère. Come out. Come out. Come out. Come out. Et laisse ce pouvoir c'est là. She got a spirit power in her in his stomach. Voilà. That is to be transformed. Voilà. La puissance de Jésus-Christ. Le feu sur power. Quitte son corps. Quitte son corps. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu sur toi. Et tu le libères. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-le. Tu vas quitter sa vie. Tu es là, dans son ventre. Au nom de Jésus. Si vous avez l'onction, le plus grand sorcier pourrait le maîtriser. C'est pour cela que vous priez pour que Dieu vous donne le don de discernement et le don de vision. God give you the spirit of discernment and ça, c'est très, très important pour le ministère. It's very, very important. Nous, ce n'est pas témoignage qu'on cherche. It's not testimony we need. Il vient rendre témoignage, mais l'esprit est là. We want to give testimony, but the spirit is here. Voilà, l'esprit est là. C'est pour cela qu'il faut avoir le don de discernement. That's why you need to have the spirit of discernment. Parce que c'est un danger pour lui-même. Because it's a danger c'est for le sang, il peut mourir. Danger for himself, he can light up from here. Il faut le sauver. Just save him. La puissance de Jésus-Christ. The power of the Holy Spirit. Lâche-le. C'est pas un petit sorcier. C'est un sniper. C'est quelqu'un qu'on envoie pour tuer. Qu'on loue pour aller tuer des gens dans d'autres villages. Il a ce pouvoir. The ransom to go and do other harm to others in other villages. That's the power he has. Je vois l'esprit de dragon sur toi. La dame juste là. I'm seeing the dragon spirit on you. Juste à côté. Dragon spirit. Un esprit. Pendant que je parle, je vois comme la tête d'un varan. Qui sortait comme ça. While I was talking, I saw a hair coming out of you. Hair coming out of you. Tu vas libérer sa vie. Like a drink. Tu vas libérer définitivement sa vie. Me. Parce que la paix est aussi à servir son Dieu. C'est une dame aussi que Dieu va utiliser aussi. God will use this lady. Come! La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Lâche-la. 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 La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Fais. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Hey! Je m'adresse à toi. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te délivre ce matin. Sa puissance te libère ce matin. Sa puissance te libère ce matin. Lâche-la! Hey!
Allez. 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 Délibère ce matin. La puissance délibère ce matin. La puissance de Dieu. Tu quittes définitivement sa vie. Attends. Tu quittes sa vie. Ça va? Ça va? Vas-y, t'es délivré. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Travaille! Le fais sur toi! Puissance de la sorcellerie. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Allez! Tu les libères maintenant, là. Dans le nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Tu m'attends? Voilà, lâche-le. Va. 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 Et quitte son corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Quitte son corps. Le genre de sorcellerie qu'il a là. Il n'y a pas 7 personnes qui ont ça en Côte d'Ivoire. Il est vraiment un danger. Il est très dangereux. Very, very dangerous. C'est pour ça qu'il ne peut pas partir. Lui disparaît, il a ce pouvoir là. That's what the spirit is not to be yet. La puissance de Jésus-Christ. Vous voyez un puissant démon de la sorcellerie qui s'incline et qui se met en genoux devant la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on prend la main de Jésus-Christ? C'est genre quelqu'un qui peut prendre ta chance rapidement et partir avec ça. Ça va maintenant. Je suis content pour toi. C'est bon de voir des gens heureux. Ça va, les gens maltraitent des gens, ça va. Avant, on n'était pas camarades. Non, 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 non. Tu ne peux pas manger long, puis moi, j'étais camarade, toi. Ah, maintenant, on est camarades. Les gens, laissez-les vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie, ça c'est important. Si vous ne voulez pas vivre sous la terre, on va vous amener sous la terre. Il y a vivre sur la terre, il y a des lois. Respecte ton prochain. Tu n'es pas capable de respecter la loi. La puissance de Dieu. Ça c'est très dangereux. Il faut que l'on parte capturer le canari mystique. Moi, son canari m'intéresse. Ou est-ce le travail que nous essayons de faire? Nous détruisons toute base satanique, toute prise du diable. Comme le monsieur, il est très dangereux. C'est un élément très efficace de Satan. Pour enrayer des familles, pour détruire. Parce que Satan, c'est synonyme de mort. Il a détruit. Jésus lui donne la vie. De nous, en tant que chrétiens, nous devons maîtriser le pouvoir, détruire toute présence satanique, imposer le règne de Jésus. Ça s'impose. Tu veux ou tu ne veux pas, Jésus est Seigneur. La Seigneur de Jésus, ça ne se discute pas. Quelqu'un qui salue juste, on ne discute pas son travail. La puissance de Dieu. Ce genre de cas là, c'est pas tout le pasteur qui peut délivrer le monsieur. Te manger. Bonsoir Kigenou. Beaucoup de vivants sur toi. Accompagné d'Abuja. Our pastor can heal such a person. Dangereux. La puissance de Dieu.
power of God. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère maintenant. Sa puissance. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. La puissance de Dieu, Jésus, te libère. Gloire! Le feu sur toi. Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Puissance de la sorcellerie. Quitte son corps. Hey! Fais sur toi! Hey! Le feu sur toi. Le feu sur toi. C'est pas la peine de vous balader. Jésus a donné une force à l'église. Il y a le pouvoir de Christ. Jésus dit qu'il nous donne le pouvoir. Le diable n'a pas de pouvoir. C'est un usurpateur. Il n'a pas de pouvoir. Jésus dit, vous recevez une puissance, c'est qui est le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est cela qu'il ne suffit pas seulement de prêcher, d'enseigner, mais il faut aussi manifester la puissance de Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là où les démons ne sont pas chassés, ils s'installent. Where the devil is not cast, is installed. Parce qu'après avoir enseigné la parole de Dieu, il faut délivrer les gens. Because if you change cover the word of the God, les gens viennent posséder, ils ont tous les problèmes. Vous les prêchez, c'est vrai. Une bonne parole de Dieu. Les gens possédés. Ils retournent après avec leurs problèmes. Go back with their problems. Permettez aux gens d'expérimenter la puissance de Dieu. Make people experience the power. Ah, chez nous, si on enseigne. On ne prie pas pour les gens, mais c'est dangereux. C'est que vous ne connaissez pas la parole. Others, we want to teach, we want to preach, but we don't deliver people. No, it's not right. Jésus-Christ te libère maintenant. Jesus Christ puissance. Is freeing you right now. Quitte son corps. Leave his body. 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 C'est un ordre. Où est son honor. Fils? It's honor. Viens assister à la délivrance ton père. Is other. Pour que tu sois témoin toi-même. Come and witness de la délivrance. The deliverance témoin. Of the Father, so you can be a testimony. So you can be a mon petit frère là, testimony. Mon petit frère là, il est mort. Il est parti, ton petit frère qui devait la délivrance. Non, lui il a dit vous. Il a dit vous. Oui, il n'a pas d'âge. Ok. Son petit frère dit non, avec tout ce que son papa a dit, il va le macheter. The father says, mon père says, il faut que la personne qui te délivre. Sinon moi, c'est le crash extraordinaire. Donc, il faut lui dire. But tell your brother. Moi, on ne m'achète pas les gens. We cannot just cut il ne s'agit pas de le m'acheter. There's no way to cut the contract. Tu dois être celui qui doit prendre soin de lui. You will be the one to chez toi. Take care of him. Voilà. Il ne faut pas qu'on le touche après la délivrance. After the deliverance, we don't want somebody to touch him. C'est crié dans la cour ici. Là. Because he was shouting. Franchement. Permettez-nous de délivrer les gens, même s'ils sont mauvais. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. Even if they are wicked, they need love from God. Il dit non, mon papa, c'est devant le prophète, il parle. Mais moi, quand il vient, il y a machette, le machette. Je veux machette. Après, avec la vie, il va me trouver, je vais le macheter. J'ai attendu ça. C'est pour ça qu'il a mis du temps pour délivrer son pas. J'aurais dit, vous ne pouvez pas envoyer des gens ici pour la délivrer. Et puis après, ils vont connaître des problèmes. Et ça, c'est dangereux. I told them, you don't bring somebody here a little, then you do harm to them. Mais ceci, il a trop mangé. It's many. Ah, 37 personnes. 37 personnes. Il mange, puis il est dangereux. Il loupe pas. And he's dangerous. Il loupe pas, c'est un sniper. Pouf, he's a sniper. He cannot be just shot. Moi, c'est des gens comme ça, je vais affronter. It's the kind of people I like to. Je suis là pour eux. I'm here for them. L'onction que Dieu m'a donnée, c'est pour attaquer la sorcellerie. Anointing God, God means to attack the witchcraft. On arrive très bientôt chez toi là-bas. Soyez béni. On arrive bientôt chez toi. Amen. Après la pluie, on se voit. Okay. C'est comment on appelle ton coin là? Crédit Canal. Voilà, Crédit Canal. Il y a les grands féticheurs, les grands sorciers. Grand, même. Grand. Il faut disparaître les gens dans l'eau. Pas dans l'eau. On arrive. Quelle photo? On arrive. On arrive très bientôt. Amen. Avec la brigade. Amen. On va faire rap spirituel. Tout le monde est brigadier. Tout le monde ici. Tout le monde est brigadier. Je prie Dieu pour faire une tournée. Je dois aller avec mon groupe musical aux États-Unis. Franchement, je vais aller avec toutes ces gens-là.
Si vous voulez avoir des gens qui sont très compétents. Très voyagés. Je vais au Canada, aux États-Unis. Nous sommes en train de régler tous les passeports. I'm trying to do all your passports. Voilà, tous les passeports, nous allons voyager. All the passports so that we can travel together. Guitariste. The guitarist. Les brigadiers, colonels, batteurs, un colonel. Tout le monde est officier, il n'y a pas de officier. Tout le monde est officier. They are all officials. Parce que le bâtir là, ça chasse des mots. Because when the petit guitar bat, tout le monde dans l'onction pour chasser la sorcellerie. La puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Généralement, le groupe d'intercession, prenez-le. Parce que ça peut prendre toute une journée. Voilà. Ça va nous prendre. Voilà. Que Dieu bénisse. Parce qu'il y a des démons qui ne cèdent pas facilement. Alors, Dieu soit béni. Amen. Il faut dire que nous devons remercier Dieu de ce qu'il a envoyé cet homme de Dieu sur la terre des divots. Je me nomme Angois Basile, je suis infirmier d'État. J'ai une clinique à Djokwe, plus précisément à Caen, dans le département de Bangolo. Okay. Un moment, j'avais un ami du nom de Pacom, que sa femme est déjà là, il m'a parlé du prophète. En tout cas, j'ai négligé. Mais vu la difficulté que je traversais, un jour, j'ai pris mon ordinateur portable, je me suis connecté au village et j'ai vu un peu ses vidéos. À partir de ce moment-là, la flamme montait un peu en moi. Mais il faut dire que le diable, il est fort. Le diable, il est malin. Il est vécu, non ? Il est risé. Depuis le moment que j'ai pris la résolution de venir voir le prophète, il faut dire que je vais de difficulté en difficulté. Quand madame m'a dit, ah vraiment, ma fille, ça va pas chez elle, elle a été ensorcelée, il faudrait qu'on envoie chez le prophète. On a lutté jusqu'à ce qu'on a eu le transport, madame a envoyé l'enfant ici depuis le 9 février. Ah, okay. C'est ma femme qui est là. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour, quand même, elle est responsable des cliniques, je fais même l'échographie dans ma clinique. Okay. J'ai une salle aussi d'assurance. Depuis ce jour, je dis, bon, je vais rejoindre madame. Le vendredi, je suis passé, appelé madame, il dit, je viens. Le jour de marché, il y a eu 3 minutes, je n'ai pas mon recette. 3000 francs, c'est pas comme recette. Il dit, mais avec 3000 francs, je ne vais même pas arriver à Djokwe avant de dire, je vais à Divo, je vais faire quoi. Le jeudi qui a suivi, l'échographe est venu, on a travaillé. On a eu 7 personnes, on n'avait pas les prescriptions, et tout dit, bon, on vient. J'ai dit, ah Dieu, même s'il faut que je m'endette, je vais m'endetter, partir. Je suis allé, j'ai tourné un peu sur mes crédits, j'ai eu 30 000. Quand j'ai eu 30 000, j'ai devant un monsieur. Le monsieur m'appelle, il dit, Angois, je viens prendre mon argent. Il dit, aujourd'hui là, même si c'est pour m'attacher, tu vas m'attacher. Même si je dois me mettre en boîte, mais moi là, il y a doublé les gendarmes, je vais partir. Et j'ai empoché les 30 000. Le matin, très tôt, il m'a appelé encore, il dit, Angois, je viens. Il dit, ah, moi, je suis déjà en déplacement. Je suis monté dans la partie de l'échographe, il m'a descendu à Bangolo. Pendant ce temps, madame m'appelait, elle était déjà venue à ma photo et le prophète avait demandé de venir pour payer 3 bouteilles. Je lui ai dit, mais j'ai 30 000, je vais déduire mon transport en aller et tout, je vais faire quoi? En même temps, le diable me dit, il y a l'église ici, toi-même tu es céleste, il faut aller à l'église céleste, on prie pour toi et donner ton argent à quelqu'un là-bas. J'étais même dans le cas, j'étais découragé, même je n'ai pas appelé madame. Et quand je suis venu, quand je suis arrivé à Divo, pour être un peu bref, avant de franchir le portail, j'ai dit, Dieu, je suis venu pour te découvrir, je suis venu pour voir ta face, montre-moi ta face. Quand j'ai franchi là, je suis venu juste au premier escalier. La voix qui me parlait me disait, si tu rentres, voici la prière que tu dois faire. Et la voix me disait, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand je suis rentré dans le temple, je me suis prosterné, c'est la prière que j'ai faite. Après avoir fait la prière, lorsque on faisait le culte du soir, la prière du soir, je souffre d'une colopathie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'air dans un côté du ventre
J'ai beau soigner, j'ai été même au Burkina, tout ça, là, pour des soins, mais pas de solution. Mais lorsque on a chanté, 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 on a adoré Dieu, je touche, je sens plus le mal. Et cette colopathie-là est accompagnée d'une douleur lombaire, c'est-à-dire que si je m'arrête pendant 5 minutes même, je suis obligé de changer de pied, faire comme ça. Mais aujourd'hui, me voici. Et toujours dans ce même sens, je voudrais toujours témoigner pour dire que pour tous ceux qui viennent et qui n'arrivent pas à croiser le prophète, il ne faudrait pas que ce soit un souci pour vous. Amen. Dieu, il agit lorsque tu te confies à lui. Amen. Ce matin, depuis longtemps, un autre témoignage, depuis longtemps, j'ai vu un ami qui est gestionnaire de portefeuille dans une banque, et voici pourquoi je tiens ce dossier. J'ai même appris deux de mes amis, on est parti demander un prêt pour pouvoir développer nos activités, de façon individuelle. Moi qui connaissais le monsieur, moi que le monsieur est mon ami, je dépose mon dossier, il me dit non, il faut envoyer tes dossiers qui prouvent que tu fais l'assurance. Il est beau chercher mon registre, plus mon document dans la maison, au bureau, dans la salle d'assurance. Le diable a sa grosse queue, cacher tous mes dossiers. Donc je n'ai pas pu prouver au monsieur que vraiment je fais l'assurance, donc je suis bloqué. Il dit, bon, au côté de, comment dirais-je, la clinique, envoie un document pour que je puisse signer ton prêt. Le cographe dit, bon, moi je donne les documents de ma voiture pour te soutenir. Le monsieur va, il va trouver que la carte grise là ne porte pas son nom. Donc le monsieur est censé refaire la mutation de sa voiture. Il vient sur Yamoussoukro, il donne 100 000 francs à quelqu'un pour faire rapidement la mutation de la voiture. Le monsieur prend la reine, il bouffe, on l'appelle, il dit il est à Abidjan. Pendant ce temps, ceux même que j'ai envoyé, ils ont reçu des financements. Il y a un qui a reçu 20 millions, l'autre a reçu 10 millions. Et moi, je n'ai demandé seulement que 5 millions, même pas 5 francs, je n'ai reçu. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus et je sais que j'ai la victoire sur mes ennemis. Ouais. Voici pourquoi je viens rendre ce témoignage. Et un autre encore, depuis que madame est venue, j'ai appelé madame un matin, j'ai dit, madame, ça va pas chez moi. Elle dit, t'as quoi encore? C'est ton ventre. Non, c'est pas mon ventre, c'est plus que mon ventre. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est ce qui va gâter le foyer là. C'est ça qui est malade maintenant. Elle me dit, à quoi? Elle dit, mon matériel là, ça fonctionne plus. Elle dit, explique-moi, elle dit, quand il dort la nuit là, je suis plus garçon, je ne bande plus. Et il faut dire que quand je suis arrivé avant-hier, après le bain, quand je me suis couché, vraiment, j'ai senti que je suis. Le prophète, voici ce que Dieu a réalisé dans je sais que je croise le prophète ou je ne croise pas le prophète, je sais que quand je vais arriver à Djokoué, la situation va se Amen. Jésus Jésus dernier pied parce que je suis venu à 30 000. Donc j'ai dit à madame complètement 10 000, je prends 20 000, je prends payer mes huiles et puis les 10 000 là j'allais chérer. Depuis hier,
Ce matin même, j'ai donné 5 000 à madame, il dit débrouille-toi pour qu'on mange. Les autres 5 000 qui restaient comme moi, mon transport, puis j'ai pas dit courir pour lui envoyer le transport là. Moi, je donne à Dieu, même si c'est pour marcher pour aller à Dukwe, je veux le faire. Verset 3 dit, invoque l'Éternel dans la détresse, il te montre ce qui est caché. Est-ce que tu connais? J'étais dans la détresse, dans le problème de la sorcellerie. Par rapport, je suis venu à mon petit frère qui est dehors, et le Saint-Esprit m'a montré que les ennemis ont bloqué tout dans sa vie. Et j'avais l'idée de venir ici, ça tardait. Et maintenant, dans le songe, le Saint-Esprit me montre, va voir l'homme de Dieu qui a dit vous. Va voir l'homme de Dieu qui a dit vous. Va voir le prophète Joël Grasso. Je suis venu ici. La Bible me déclare encore qu'il confirme maintenant l'Éternel Dieu des armées, notre prophète Joël Grasso. C'est pour cela que je suis là. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons l'occasion de gérer toi, béni. Ah Dieu. Je m'appelle Djachi Nina. Vraiment. Quand je venais ici, j'étais désespérée. Mais il fallait que je rende ce témoignage. Mais ça a été vraiment difficile. Je me dis, mais si je viens, je vais dire quoi? Est-ce que je ne vais pas trembler devant les gens? Et puis à tout moment, ça retarde. Mais il fallait aujourd'hui que je vienne dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ici. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai vécu avec un homme. On a fait 12 années. On a eu 3 enfants. Il a été assassiné le 8 décembre 2016. Donc tout d'un coup, je me retrouve avec 3 enfants, sans rien. Avec le père qui est décédé, vraiment, j'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Comme ça, je suis allée chez un prophète dans mon village pour faire la délivrance des enfants. Mais ça n'a pas été. Je suis restée là un jour et je dis, je vais chez le prophète. Et puis il y a un tonton qui me dit, hé ma fille, tu as l'argent pour aller chez le prophète? Il dit, moi je vais chez le prophète. Elle dit, chez le prophète, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller chez le prophète. Il dit, moi je vais chez le prophète. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai exposé mon problème. Ils m'ont dit, ma fille, tu dois acheter les bouteilles d'huile pour les enfants. Il dit, d'accord, mais je n'ai pas d'argent. J'ai croisé le prophète, j'ai aussi expliqué mon problème. Mais tu as opéré un miracle. Il a suscité des femmes ici pour acheter les bains d'huile pour les enfants. Vraiment, les mots me manquent. Il a donné, au fait, vraiment, les mots me manquent. Moi qui étais désespérée, il n'y avait pas un père pour mes enfants. M'ont dit dans la parole de Dieu que quand Dieu te ferme une porte, il t'ouvre une autre. Donc c'est comme ça que Dieu m'a ouvert une autre porte. Mes enfants ont eu une meilleure vie aujourd'hui. Non seulement ils ont été délivrés de la sorcellerie, mais en plus de cela, ils ont eu un père qui est le prophète, qui les a accueillis à l'orphelinat. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et je profite du micro pour dire merci, papa. Merci. Que Dieu t'élève encore de plus. Qu'il bénisse le ministère. Merci, c'est tout.
de Jésus. Et par le témoignage du frère. On saw it. Même si le prophète est fatigué, la main de Dieu continue de travailler. C'est ce que vous devez retenir. Franchement, que la gloire revienne au Seigneur. Dieu, il est toujours puissant. Il est souverain. Superior. Il continue toujours les miracles. He continue to work his miracles. À lui seul la gloire. With him alone to be glory. C'est un devoir d'aider les gens. It's a duty to help people. C'est vrai qu'on est on est sorcier, enfant sorcier. It's true when we are. C'est pas une fin en soi. Quand on finit de livrer l'enfant, il faut s'occuper de l'enfant. Just ça donne son pour ça. Aider les enfants en difficulté qui n'ont plus de père. Nous allons partager le même repas ensemble. We share the same. Voilà, nous allons récupérer ces enfants et les enfants sont à l'orphelinat. We ask God to help us. Voilà. Maintenant, la mère doit me dire ce qu'elle a envie de faire dans la vie. Parce que ça, c'est important. Il faut que j'ai encore très jeune. It's very il faut que tu viennes nous rencontrer pour dire ce que tu as envie de faire, pour qu'on puisse t'aider. We have to à faire quelque chose. Non, après, ce n'est pas devant tout le monde. Après, tu es jeune, encore jeune fille. You are young, il faut qu'on t'aide pour entreprendre quelque chose. Ça, c'est important. So si tu veux poursuivre encore les études, comme tu l'as dit, on va t'aider à poursuivre les études. Mais c'est encore large, il faut qu'on t'aide. Voilà. Nous sommes là pour faire avancer les gens. Nous sommes là pour faire avancer les gens. L'église doit avancer les gens. L'église doit aider les gens. Je suis en train de mettre jusqu'à partir du mois d'août. Nous allons mettre un système en place à l'église. We'll put a system in place in the church. Et nous allons donner de l'argent et des sacs de riz à des familles. Chaque semaine, chaque culte, on va donner de l'argent aux familles de l'église. Parce que l'église, l'argent de l'église appartient à l'église. À partir du mois d'août, nous allons mettre ça en place. Chaque famille. Every family de cette église aura un soutien de l'église. Et nous allons partir comme ça chaque semaine, chaque dimanche. Nous allons donner de l'argent pour vous aider. Parce que l'église c'est le partage. Because church is to share. La dîme revient à l'œuvre. The time will come to the church. Mais l'église doit partager, aider les gens. But church needs to help to share. C'est ça l'amour. Il faut pratiquer l'amour. That is what I call love. Le pasteur doit pas être celui là qui grossit. It's pastor to have qui a tout et le tout est son mec. Non, c'est pas biblique d'ailleurs. It's even not biblical. Voilà, donc après il faut chercher à me voir et on va essayer d'aider. So let us just. Les enfants vivent très bien à l'orphelinat. So we better talk. On les envoie à l'orphelinat, ils vivent très bien. The children are to the orphanage. Voilà, cette année n'ont pas fréquenté, mais l'année prochaine, well. Nous allons, n'est-ce pas, les mettre à l'école, qu'ils puissent vraiment évoluer. But next year we'll go to school. Nous avons changé leur régime alimentaire. We change. Ils font des petits déjeuners, déjeuner à midi, ils font sieste. We change the manual. Là voilà, quand tu viens de manger, tu vas faire sieste. Hein. Tu fais sieste un peu. Ouais, on les éduque, hein. C'est une rééducation, les éduque. To educate them. Voilà, éducation morale, il faut se brosser, on achète les pâtes, il faut se brosser, il faut te laver, on leur apprend. Quand tu vois des ordures dans la rue, il faut ramasser, il faut jeter. On leur apprend tout ça, mais il faut que communiquer à ses enfants, à ses voisins de l'école. La propriété, c'est ce que je m'entends de faire. Dans le mois de décembre, nous allons lancer ville propre de Divo. Okay. Nous allons lancer une opération ville propre. Nous allons mettre des poubelles dans chaque quartier de Divo. Et nous allons recouper les représentations de chaque jeune dans les quartiers de Divo. Et nous allons nous occuper de la propriété de Divo. Voilà, parce que l'église doit participer au développement d'une ville. Et Dieu bénisse. On écoute ton témoignage. C'est sur les huit d'onction. Je suis agent de santé. Et une fois, il y a une dame qui est venue me voir à la clinique. Elle a. Une fibrome. On n'a pas ton nom. Ah, ok. C'est Kwasi. Ah, mais que Kwasi Martin, agent de santé. La dame est venue me voir. Elle dit qu'elle a fibrome. Ça fait 24 ans qu'elle est dans son ventre. Elle est venue me voir. Elle a fait écho, le gynécologue, qu'on doit forcément l'opérer. Elle dit, oh, quand on parle de l'opération, elle ne veut même pas attendre ça. Mais franchement. Voilà. Donc, elle a tourné. Un jour, de pousse à l'oreille. Elle dit, ah, il faut aller voir le jeune à tel coin. Elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a expliqué son problème. Elle dit, ok, on a des produits ici qui interviennent pour fibrome. Elle dit, ok, qu'elle veut. Et à chaque fois que je viens ici, l'huile d'onction ne me manque pas. Amen. Parce qu'à l'hôpital, comme dans le coin de santé,
il y a des maladies spirituelles et il y a les maladies physiques. Voilà. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit ok, j'ai compris. Et j'ai pris une onction. Je suis rentré derrière le rideau, j'ai pris une onction et j'ai versé sur le médicament, puis j'ai prié dessus. Puis j'ai donné à la dame. Il y a 200 comprimés dans la boîte. On prend 8 comprimés matin, 8 comprimés le soir. Voilà. Et j'ai payé 3 bouteilles d'organes. Et puis j'ai ouvert. Puis j'ai mis l'une d'onction dedans. Puis j'ai remué. Il ne faut pas prendre le médicament avec haute eau si ce n'est pas ça. Elle a pris jusqu'en. Il restait 16 comprimés dans la boîte. Il restait 16 comprimés dans la boîte. Pour le matin et puis pour le soir. Elle est venue me voir, elle dit, ah mon fils. Depuis là, je ne sens rien. Il dit, madame, t'inquiète, ça va passer. Matin, elle a pris les 8. Et le soir, au coucher, cette fois-ci, je me suis rendu chez elle. Et j'ai ouvert la bouteille du d'onction. Et j'ai mis un peu dans un verre. Puis j'ai mis un peu de dessus. Puis j'ai dit, prends le médicament avec ce que je viens de faire. Elle a avalé. À 6h du matin, elle est partie à l'église, à l'assemblée de Dieu, elle est partie prier à 6h. Étant là-bas, son ventre a commencé à lui faire mal. Ils m'ont appelé le matin. Ah, mon fils, faut venir. Je suis parti. Je suis rentré dans la chambre. La femme là, s'est tordue de douleur seulement. Je dis, elle a se coucher. Elle s'est couchée. Quand elle a écarté ses jambes, mon fibrome est en train de sortir. En train de sortir. Quand je suis arrivé, j'ai porté gants. J'ai porté gants. Et puis, elle aussi, elle m'encourageait de faire sortir fibrome là. Mon fils fait un effort pour pousser. Et j'ai porté le gant, puis j'ai appuyé son ventre. J'ai appuyé son ventre. J'appuie. Au fur et à mesure, je lui donnais le look d'onction. Étant dans haut organe là, je lui donnais le buffet. Ça sautait. Quelques temps après, j'ai laissé. Je suis parti au travail. Il dit, madame, il faut laisser, ça va sortir. À midi, je suis reparti. De la manière que j'ai vu que ça devait sortir le matin là. Ce qui est sorti le matin était un peu, mais jusqu'à midi, c'est sorti beaucoup. Fibrome de 24 dans son ventre. Et j'ai regardé, j'ai suivi, j'ai essayé d'appuyer son ventre. J'ai dit, madame, ça va sortir, mais si ça sort, il va perdre connaissance parce que ça a ton succès, ton sang. Elle dit, mon fils, je t'encourage, pousse mon ventre, appuie pour que ça n'a qu'à sortir. Je souffre, mon fils, fais-le. Ouais. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, tu vas perdre connaissance. Elle dit, mon fils, faut faire. Si je ne veux pas mourir, que c'est perte de connaissance seulement, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé à appuyer. Puis c'est sorti. Dès que c'est sorti, elle a perdu connaissance. J'ai la photo. Après? Ben oui, je vais voir. C'est important. Ma peau, y est à toi, ni nous n'a que la cause. Ma peau, y est à toi, ni nous n'a que la cause. Et y est la cause, il y a un peu. Elle a perdu connaissance. Je l'ai pris sur ma moto, directement je l'ai envoyé à l'hôpital. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, le gynécologue avait fait la radio à vue. Dès que le gynécologue a vu net, il dit non, il a fait papier, boiflé. Il est parti à boiflé. Mais non, ça va, boiflé. Oui, ça va. Arrivé à boiflé, ils ont blasé 7 poches de sang. Ça va. Très bien chez elle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Ça, c'est la première fois. Le deuxième point sur l'huile d'onction. Parce que moi, je travaille beaucoup avec l'huile d'onction. Voilà. Quand je m'en vais au travail, ça est avec moi. Même dans le coffre de ma moto, ça est là. Un jour j'étais à l'église. C'est comme nous dans nos voitures, c'est là. J'étais à l'église, étant dans ma voiture. Diriger une prière, et puis j'ai eu un appel. J'ai donné mon téléphone au diacre, va me coucher. Il allait te coucher, quand il est venu, il dit non, ce sont tes patients. Il dit ok. Après le culte, le jeune vient me récupérer pour dire ah, mon papa est parti au champ, à son retour, son pied enflé, on ne sait pas, qu'est-ce qu'il a eu. Il dit ok. Dès que je suis arrivé, j'ai regardé. Il dit ok. Comme aujourd'hui c'est dimanche, j'allais me reposer en mourutu, j'ai venu intervenir. Dès que j'ai donné d'eau, je me suis rappelé que j'ai l'huile d'onction dans le coffre de ma moto. En même temps, j'ai porté gants dedans en même temps. J'ai porté mes gants et puis j'ai pris l'huile d'onction. Au fur et à mesure, je passe sur le pied du vieux, je prie à l'intérieur de moi. J'ai passé. Et je suis parti à la maison. Alors, avant d'arriver à la maison, le vieux marche avec calme.
j'ai passé dessus. À 18h, son fils m'appelle. Ah, c'est quoi tu as mis sur le pied du vieux là? Il dit, mais c'est un médicament que j'ai appliqué dessus. Il dit, mais le vieux a jeté comme là, il commence à marcher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Et puis de la manière, c'était en feu, c'est descendu. Ouais. Dès que j'ai arrivé, il dit, bon, ah, ça, on n'a pas besoin de faire soin. Il dit, non, 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 on doit faire les soins. On doit faire les soins. Et quand je suis revenu, je lui ai fait les antitétaniques, les antibiotiques, et puis bon, je suis parti. Chaque soir, je viens passer l'huile dessus. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. Et le troisième point, à la maison, toujours sur l'huile d'onction. À la maison, parce que à chaque fois que je viens ici, je perds la bouteille. Dans ma maison, dans les quatre coins, je mets partout. Dans la douche, comme vous faites, c'est partout. Il y a une petite fille qu'ils ont envoyée chez moi à la maison. Elle a eu son entrée en sixième. Ils ont donné à mon ami un fumier du lycée. Il dit non, comme lui, il n'est pas tout dans la maison, donc on le déprend. Il dit ok, bon, je vais essayer. Je l'ai récupéré, je l'ai envoyé à la maison. J'ai même cherché des gens qui l'enseignent. Chaque fin du mois, je paye. Et à chaque fois que je me couche, quand elle ouvre sa porte, je sens une présence en moi. Depuis que je suis quitté ici, mon portable est sur 4h du matin. Je me lève à chaque 4h pour prier. Mon portable est sur réveil. 4h, à tout moment, c'est programmé. Voilà. Parce que j'ai appris beaucoup de choses ici. Donc, dès que je me réveille, je sens. Dès qu'elle ouvre sa porte, je sens une présence en moi. Je ne peux plus bouger. Je suis étouffé. Une fois, deux fois, trois fois. Cinquième fois, je l'ai interpellé. Mais dis-toi, ce que tu fais, la foi arrêtée. Il dit, tonton, je n'ai rien fait, tonton, je n'ai rien fait. Je n'ai rien, elle a commencé à pleurer. Il dit, ok. J'ai appelé un frère au centre ici, le frère Eman. Il dit, voici telle chose qui m'arrive dans ces deux jours-là. Il dit, ok, prends l'huile d'onction. À chaque fois dans sa nourriture, mets dedans. Et puis, il faut prononcer des paroles dessus. Si elle est vraiment... Quand je mets l'huile d'onction dans la nourriture, je dis, je proclame que l'huile d'onction que je suis en train de mettre dans la nourriture, là, si cette fille est vraiment sorcière, là, qu'elle dévoile, pendant 7 jours, j'ai fait ça, mais elle ne voit pas dedans, je mets dedans. Le 7e jour, la fille se lève. Tonton, je vais te parler de quelque chose. Je dis, ok, je t'écoute. Elle dit, ah, la nuit, à minuit, avant de dormir, voilà ce que je fais. Quand tu n'arrives pas à te réveiller, c'est moi. Il dit, mais tu es quoi? Toi, tu es quoi au juste? Il dit, non, la nuit, on s'en va dans le coin. Il dit, ah, ok, je vois maintenant. J'ai fait appel à son papa. Son papa est venu. J'ai expliqué à son papa. Il dit, comme la petite fille a avoué, moi, je ne peux pas chasser l'esprit de la sorcellerie là, dans son corps, mais je connais quelqu'un qui peut l'aider. Et son papa a commencé à s'affoler. Non, ma fille n'est pas sorcière. Pourquoi tu peux dire des trucs comme ça sur ma fille? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tant que ta fille ne vient pas, là où j'ai dit, je connais quelqu'un, tu peux la délivrer là. Elle n'est pas partie. J'ai insisté, il n'a pas voulu. Il dit, ok, allez. Elle est partie. Donc, c'est pour vous dire, l'huile d'onction est vraiment efficace. Quand je vais à l'église, avant d'aller à l'église le matin, là, parce que dans mon église, en tout cas vraiment, les sorciers demeurent. J'avais un pasteur burkinabé qui était là, que le Seigneur a révélé les sorciers de l'église. Il a commencé à les délivrer, a commencé à prier. Ils ont fait rapport contre lui. Ils l'ont enlevé, ils l'ont envoyé à Maferet. Ils ont envoyé lui c'est un apôtre. Il dit non, il n'y a pas de sorcier ici. Oh, il y a les sorciers qui sont. Une nuit, les hiboux sont allés remplir sa cour. Les hiboux. Chez l'apôtre. Il est revenu. Il dit, ah, c'est bien ce que mon collègue a dit ici là. Tiens, c'est vrai. Il dit, non, c'est pas vrai, il faut rester ici. Donc à chaque matin quand je vais à l'église, je mets l'huile d'onction. Oui. Je mets l'huile d'onction dans ma paume. Les dimanches, comme les matins quand je vais au travail. Mais quand j'arrive à l'église, je connais ce que le pasteur a révélé comme son sorcier. Mais quand je l'étends la main, il refuse. Papa, à chaque fois, je mets. Partout, je mets. Donc, c'est un peu mon témoignage. Donc, à chacun sa bouteille, une option. Alléluia. Alléluia. Donc, ma présence ici, depuis hier, là, je connais le prophète, c'est pas aujourd'hui. J'ai pris l'engagement de le déplacer dans ma famille.
pour la délivrance de ma famille. Laisse-en prendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa famille, il est beaucoup engagé dans la foi, lui. Donc très, très, très engagé d'ailleurs. Lui-même, il a été miraculeusement guéri. Hein. Par l'onction d'huile, il a été miraculeusement guéri. Il avait des présents dans son corps, c'est lui là. Donc depuis ce temps, il est beaucoup accroché au ministère. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Déjà, il pense que c'est amusement. À chaque homme de Dieu, il y a une onction qui accompagne. Voilà. Vous parlez, mais il y a des témoignages. Voilà, il y a des témoignages. Vous parlez, Dieu guérit les gens au travers des vidéos. Comme le témoignage de cette femme aux États-Unis, je ne la connais même pas, elle a posté une vidéo sur YouTube. Quand je te couche ce matin, Dieu l'a guérie d'un cancer de sang. La vidéo est postée sur YouTube. C'est posté sur YouTube. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Il est facile de se mettre sur YouTube pour parler. Lui, là, il est comme ça. Mais tu ne vas jamais démontrer à plus de Dieu pour ta grâce. Je fous quoi, aller faire fétiche. I really want to work fétiche. Ça me donne quoi? What would they give me? Si j'étais un gars de fétiche, j'allais créer une grande église à Paris. Je n'avais pas entendu aussi. Parce qu'on fait fétiche pour avoir l'argent. Je n'avais pas entendu aussi. Because what do they get? Quand je vais à Paris, là, c'est les salles sont pleines en Europe, les États-Unis. On a Paris. Bon, bref, Jésus-Christ est Seigneur. Que la gloire est au Seigneur pour tous ces témoignages. Dis que tu rends aussi ton témoignage. Tu rendras ton témoignage. Amen. Tu rendras aussi ton témoignage. Nous allons écouter rapidement la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole.